Alors, nous revoilà sur Fallout 76, en plein cœur des Appalaches, pour une nouvelle vidéo de présentation d'objets de la boutique atomique. Et oui, il y a eu la nouvelle, on va dire la nouvelle mise à jour complète, Atlantic City, etc., etc. Mais un objet en particulier a attiré mon attention, cette nuit. La station de contrôle météo-neige. Alors, on va regarder ça en vitesse. Le reste viendra ce soir, hein. J'ai pas assez de temps là, il est tôt. Elle va sortir, je pense, vers 6-7 heures, cette vidéo. Enfin, bref. Et vraiment, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ah, ça va être de la grosse D, hein, clairement. Et on va le tester ensemble et vous verrez si ça vaut le coup ou pas. Alors, très facile à installer, hein. Bon, c'est une station, vous la placez n'importe où dans le camp. Vous avez sa cousine, station de contrôle météo dégagée. Alors, je l'ai utilisée. Ça donne là le temps qu'il y a là. Voilà, tout simplement. Alors, il n'y a pas besoin de tester plus, ça donne ça. On va faire simple. Alors là, on la connecte, elle nécessite 2 d'électricité. Et là, piouf. Allez, lance-toi, bonhomme de neige. Voilà, regardez ça. Moi, je trouve ça super. Alors, on va me dire, oui, la neige, elle tient pas au sol et autres. Bon, c'est bon, calme. Moi, je trouve ça stylé. Franchement, je trouve ça sympa. À mon avis, ils nous ont sorti temps clair. La neige, bientôt va sortir pluie ou orage. J'en suis persuadé. Mais nickel, franchement, c'est bien couvert. Ça reste pas soleil avec 3 flocons qui tombent. C'est bien... Franchement, c'est stylé. Et après, bon, c'est dans notre zone de camp. Oh, ça pousse le truc à peine plus loin. Vous voyez, on est en dehors de la zone de camp. Ça tient encore un petit peu. Hop, ça disparaît tranquillement. On revient de loin, on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc ça pourrait monter pas mal de petits concepts avec ça. On revient, là ça met un petit peu de temps. Voilà, c'est reparti, vous voyez. C'est reparti. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, tout simplement. Donc je voulais vous montrer ça. Ce petit truc là, l'autre pour la météo. C'est cool. Bon, et sur ce... A vous mesdames, à vous messieurs, à tous les autres machins et les autres bidules, je vous souhaite une bonne continuation dans les Appalaches. Et le reste viendra ce soir.